qu'on fait le café? Oui. Il est dedans. Hey, salut mes partenaires. J'espère que ça farte des flammes. Rendu dimanche, le 22 octobre, ouais. Il est 8h37 ouais, du matin. Ouais, on est relax ce matin. Ouais. Belle petite matinée. Faire changement d'hier. Smooth. Comme vous avez vu, on s'est fait des cafés. Les gars ont comme déjeuné. Grignoté. Des petits croissants, des fruits. On a acheté des raisins vendredi chez IGA, il est en spécial. Des gros raisins verts qui sont vraiment bons. Fait que là, c'est le gros trip à moi et Gégé. Fait qu'on a mangé des fruits tantôt ensemble. Il a mangé des petits croissants, du yogourt, puis tout ça. Puis, boyfriend, il a mangé aussi des croissants, puis brioche. Mais il y a juste moi qui avait comme pas déjeuné à part des raisins. Fait que le boyfriend m'a offert de me faire une belle omelette. Je voulais montrer. Un omelette slash galette. Avec full légumes puis des petites patates hash brown. Parce que moi, j'aime ça comme manger des œufs. Au lieu du pain, je prends des patates hash brown. Avant-gardiste. Puis vraiment bonne l'omelette en passant. Merci. Fait que là, je suis en train de déjeuner tranquillement. Puis après ça, ben, on va s'enligner sur la journée. Il n'y a pas grand-chose au planning. Je sais qu'on aurait aimé sortir. Ça fait une couple de temps que j'ai un petit craving d'un café glacé du Starbucks. La fois de l'année. On y va vraiment moins souvent. Là. Ouais. Je sais pas, on dirait que cette semaine j'avais le goût de ça. Mais parce qu'on dirait que Starbucks, on associe ça à genre glacé. Ouais. Fait que là, on dirait que le temps chaud y est passé, mais on pense moins Starbucks. Mais. Puis tu sais, là, c'est une fin de semaine pluvieuse, fait qu'on n'a pas vraiment de sortie rien. Mais peut-être des fois, juste faire un tour de tour, voir les couleurs. Ouais, aller chercher un petit Starbucks. Puis c'est ça, parce que c'est pluvieux. Puis après-midi ou en tout cas, whatever, comment que ça donne dans l'horaire, on veut essayer de faire une petite recette. Ouais, ou deux. Ouais. J'ai spoté deux petites recettes, une de galette puis une de genre de bâton dans ce livre-là que je vous ai parlé deux, trois fois. Puis pour... peut-être essayer de refaire les petites crêpes à Gégère. Ouais, des crêpes aux bananes là, que je fais souvent. Puis là, cette semaine, il était parti ses crêpes, ça nous a dépanné pas mal, puis il y allait au taux. Mais j'aime ça ces petites crêpes-là parce que, tu sais, même si c'est des crêpes, c'est quand même nourrissant. Ouais, je sais. Pour que ça me dérange pas qu'il m'enfile 4-5. C'est ça, c'est winner parce que quand c'est ça le déjeuner, il mange tout le temps. Là. Je pense que je n'ai jamais vu refuser ce déjeuner-là. Fait qu'on aime ça, puis c'est pratique parce que tu peux les geler, puis ouais. Ça se fait vite. Le livre de la sorcière. Ouais. Puis c'est une belle fin de semaine à date. Gégé est très talent, il est très actif, mais il est de bonne humeur. Ouais, il est caractériel. Ouais, il développe sa petite personnalité là. Fait que c'est cute, mais des fois c'est un peu moins cute. C'est ça, on voulait juste vous ouvrir le vlog, mais je sais pas trop la journée va s'enlever vers quoi. Mais on avait envie de vous vlogger. Fait que c'est parti! Mon kiki. Et puis on en a pas nommé nos pyjamas thématiques. Ben là, je pense qu'ils ont des yeux pis que leurs yeux fonctionnent moindrement bien, ils ont remarqué. Ouais, on est cool là. Si vos yeux fonctionnent pas bien, allez voir Madame Mylène, elle a un petit code promo pour des lunettes. Mon déjeuner était délicieux, ça fait du bien. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pu déjeuner aussi relax, calmement, pris mon temps, manger un bon déjeuner en plus. J'ai vraiment apprécié ce moment. Puis là, comme Eugène jouait tranquillement et de manière autonome, il était comme dans son monde vraiment. Ben, boyfriend et moi, on a décidé de faire une recette tout de suite. Et puis d'en profiter pendant ce temps-là. Fait qu'on a fait cette recette-là. Je vais vous montrer l'image, ça ressemble à ça. C'est des genres de galettes, puis ça s'appelle... C'est la recette galette double chocolat, banane et épinard. C'est à la page 132.
dans la section collation du livre boîte à lunch tome 3. Fait que je vous montrerai de quoi ça a l'air. Ils sont dans le four en train de cuire, puis on goûtera aussi, puis on vous dira nos impressions. La recette était quand même facile à faire. La seule affaire, c'est que ça prenait un robot. Fait que tu sais, c'est plus de vaisselle. Ouais, puis eux autres, ils mettaient juste une demi-tasse de pépites de chocolat. Ben eux, c'était des morceaux, mais nous, on n'avait pas de palette de chocolat, fait qu'on a mis des pépites. Puis on trouvait ça cheap, une demi-tasse, fait qu'il y a un quart de tasse, c'est-à-dire qu'ils mettaient. Nous autres, on en a mis une demi-tasse. Ouais, Burf a décidé que... Ouais, nous autres, pas des cheap. Puis la seule différence qu'on a faite, nous autres, c'est qu'on n'avait pas de sucre, fait qu'on a mis de la cassonade. Puis il fallait mettre genre farine tout usage, puis de la farine de blé entier. On a juste mis de la farine tout usage, on a doublé. Ah non, on n'a pas acheté de la farine de blé. Je l'avais mis sur l'épicerie l'autre jour. J'avais oublié de la prendre, je pense. Ah, ça se peut, parce que il me semble, j'ai pas eu ça. Non, je me rappelle, on avait oublié d'aller la prendre. Fait qu'il va falloir en acheter aujourd'hui. Parce que là, il y a une couple de recettes que ça okay. prend ça. Mais là, ça fait une couple d'affaires qu'on a dit qu'il faudra en acheter. Fait qu'il faut aller noter. Fait pendant ça cuit, on va se préparer pour. Tu veux pas qu'on y aille demain? Non, ça va être beau. On va se préparer pour sortir, puis une fois que ça va être cuit, on va, je pense, direct aller faire nos petites commissions. Ah, puis je vais me claquer avec ça maintenant. Ouais. Fait que je vais aller choisir le linge à Eugène, puis mon linge. Right. Donc les galettes, ça ressemble à ça. Là. C'est dur de vous montrer vu que c'est foncé à cause du cacao. Quoi, mon amour? Oh, wow! Fait que c'est ça, ça fait comme des. C'est vraiment comme des galettes, là, style. Ça fait penser un peu à du muffin, mais version galette, là. On va dépêcher de goûter vite, vite avant qu'on parte. C'est très bon. Ouais? Ouais. Mais ça doit bourrer, là. Ouais, c'est sûr, là. Mais je pensais que c'était le but aussi, là. Toi, t'étais-tu pas? Ouais, mais juste à mettre mon manteau, peut-être, là. On va goûter tantôt. Pas que j'ai joué. Fait que sur ça, je vais aller mettre mon manteau, mes bottes, puis on va partir. On vient d'arriver à destination. Qu'est-ce que tu fais? Walmart. Je sais pas si on l'avait dit qu'on allait chez Walmart. Je crois quoi. Et je me suis rappelé qu'il y avait un Canadian Tire juste à côté. Fait que peut-être on va se laisser tenter pour aller chez Canadian Tire à côté. On va avoir une petite discussion avec la carte de crédit, ouais. Ok. Comme toi et Marcel. Ben, c'est juste pour regarder, là. Je sais, chérie, c'est juste de l'humour, c'est du sarcasme, c'est de l'ironie. Maison. You know, break from the kitchen. On est revenu de nos commissions. Là, toute la famille goûtait aux petites galettes. Très bon. Ça passe. Mais on a bien fait de mettre le double de pépites. Ouais. Mais je pense que le but, c'est que ça soit quand même santé. Là. Je sais, mais sinon, ça l'aurait été sec un peu, je pense. Ouais. Mais c'est bon, c'est genre cochon, mais c'est pas fucking sucré ou. Ouais. Mais tu comprends ce que je disais quand je disais que ça bouge, genre? Ouais, c'est consistant, hein? Ouais, c'est ça. Bon, fait que, comme Jonah a dit, on est revenu à la maison. Vous êtes entouré de sacs. Fait que, on va faire un petit haul rapido presto. On allait là pour banane, ketchup, papier parchemin. On est ressorti là avec deux... Puis farine de blé. Ouais, puis farine de blé, puis on est ressorti là avec 200 piastres de stock. YOLO. Ça part. Ça part. Comment c'est avec lui? Fait que, du lait. Parce que, il y avait un deal, c'est céréales. Puis là, si on achète plein de céréales, ça prend du lait. Même si on en avait déjà, you know? Farine de blé, on a réussi, on en voulait, on en a acheté. Bravo! On a repris les petites pastilles de yogourt qu'on vous parle souvent là, pour GG. Fait que c'est le choix des parents. Ouais. Sinon, il y avait des pâtes d'ours. Halloween! Halloween. Donc, on a un petit fan de pâtes d'ours ici. Donc, YOLO, hein? Dans le fond, c'est aux pupilles de chocolat. Puis ouais. Il y a des pupilles de chocolat orange dedans. Ouais, puis c'est des pupilles de chocolat effrayantes. Après ça, on a des babas.
Beaucoup de baba. Oh, j'avais pas vu que t'avais pris ça. Fait que des petites gaufres à cannelle. Avant, au Maxi, il y avait le no-name, les gaufres no-name à cannelle. Tu veux ça? Puis ils étaient fucking bonnes, puis ils étaient vraiment pas chers. Puis depuis un bout, je sais pas pourquoi ils ont arrêté de faire cette sorte-là. Tout à l'heure, j'ai vu qu'ils n'avaient mais version Walmart. Donc on va goûter à savoir. Après ça, mais en général, on fait quand même, tu sais, comme des collations pour GG puis tout ça, on m'aide, mais on se cachera pas que des fois, ben, on n'a pas toujours le temps. J'ai l'impression qu'une fois par vlog, tu dis ça. Seulement, on fait toute maison, mais là, tu sais. Non, non, mais en général, on aime ça faire une recette de collation par semaine, mais ça passe vite, là. Fait que, ben, c'est ça. On achète des fois des affaires déjà faites. Puis, dans les trucs déjà faits, GG aime vraiment beaucoup les pâtes d'ours. Malheureusement, à son ancienne garderie, il a goûté à ça, puis après ça, ben. Ouais. On y en a acheté parce qu'il en mangeait déjà à la garderie. Mais sinon, j'aime. Mais tu sais, on ne vaut pas le ça chaque jour. Non, non, c'est ça. Mais on y en donne quand même à chaque semaine. Là. On se cachera pas une fois de temps en temps. Ouais. Mais tu sais, c'est pas juste ça qu'on lui donne comme collation. Mais sinon, dans les petites collations qu'on aime bien lui donner puis qu'il aime quand même, c'est les GoPur. C'est Leclerc qui fait ça. Puis il y a vraiment plein de sortes. Ça passe au conseil. Tu sais, sont un peu plus comme nutritives. Là. Fait qu'on a pris cannelle pomme, sont bonnes, ils les aiment beaucoup. Pain aux bananes, puis bananes et fraises. Puis c'est vraiment chez Walmart qui sont les moins chers. Fait que quand il va souvent, ben, je fais une petite réserve parce qu'on va pas souvent chez Walmart. Là. Non. Parce que ça coûte tout le temps cher chez Walmart. Sting, on a pogné des petites suces à GG. GG, il utilise presque plus de suces en temps normal, sauf. Quand il fait des dents, puis il fait des toujours dents. Des dents. Ouais, puis il fait quand même souvent des dents. Mais sinon, c'est ça. Mais là, ça faisait un méchant bout qu'on traînait les mêmes suces, puis là, il commençait à être dû. Là. Fait qu'on a racheté deux. Puis on a pris les vertes. Ouais, mais genre un sauge, mettons. Sinon, papier parchemin, parce que c'était ça à liste, hein, vous vous rappelez? C'était une des quatre affaires qui était ça à liste. Fait que, hein, YOLO. Fait que je voulais faire une recette de mon livre là, que j'arrête pas de vous parler. Puis dedans, il y a une recette qui a des petites guimauves Lucky Charm. Fait que là, j'ai acheté des Lucky Charm. Mais c'est ça, mais là, il y a un spécial pour 3. C'était 10$ pour 3 boîtes. Donc, on a pris tous les Fruity Pebbles qu'on aime bien. Puis les Nesquik, c'est un classique. Puis pour nous, c'est rare qu'on achète des céréales sucrées de même, mais pour nous, c'est comme un dessert ou une collation, ouais. Genre de fin de soirée. On mange pas vraiment ça pour déjeuner. Là. Ben moi, ça m'arrive le matin là, quand ça me tente pas de me casser la tête. Mais je le vois en estime, mettons, quand que je déjeune ça. Là, c'est pas trop trop long que genre j'ai hâte que le dîner arrive là, tu sais, c'est pas full nutritif là. Tu veux que papa y goûte aussi? Ah, ça a l'air délicieux mon homme! Sinon dans la nourriture, ça, le... C'est fini. Ouais, le ketchup, il est en spécial en plus, fait que c'est cool. Bon ketchup. Puis après ça, je pense que c'est la dernière truc de nourriture, ça aussi je vous en parle tout le temps, c'est la compote préférée à GG. Smoothie vert tropical. C'est rare que je donne des petites compotes de même, mais des fois quand il a mal aux dents et qu'il veut pas même manger, ça, ça passe. Fait que j'aime ça en avoir une coupe dans l'armoire. Fait que là, on passe au truc plus cool. Premièrement, j'ai été un grand fan de les livres La Doudou, je vous en ai déjà parlé. Puis là, on a vu La Doudou qui disait non au Père Noël. La seule chose que j'aurais préféré que ça soit en carton, mais c'est pas grave, là, je le voulais absolument. Je sais que celui-là, ils le font juste en papier. Fait que je lui ai pris. Ah oui, celui-là, on va juste pas le laisser à sa portée. C'est ça. Lui, ça va plus être pour que nous, on regarde avec lui. Fait que La Doudou, vraiment winner dans ses livres préférés. Puis là, il l'a vu, puis il dit doudou, doudou. Il l'aime vraiment beaucoup. Là, GG, c'est ainsi. Depuis un petit bout, il est dans sa phase collant. Fait qu'il aime beaucoup ça, coller des collants ou comme la faire dans les vitres. Hein. Puis là, Johnny avait acheté un livre à colorier Pat Patrouille au Dolorama avec des collants. Puis tu sais, il a pas dessiné dedans, mais il a collé des collants partout, des collants ben, sur des collants. Un petit puis... peu, mais pourtant. Fait que là, on y a trouvé ça, un Pat Patrouille puis un Bluey avec des collants dedans. Donc, il va pouvoir s'amuser. On a acheté une couple d'affaires là, dans ce style-là, mais on va regarder aussi pour Christmas. Après ça, on a vu ça ici. C'est genre un watercolor là, qui met de l'eau dans le petit pinceau. Là, c'est comme la peinture magique. Ça, c'est de Bluey aussi. Je sais pas si c'est comme lui ou nous qui trippent plus sur Bluey, mais... Là, ben, dès... Nous, on trippe sur Bluey, puis GG trippe sur la musique d'intro. Ouais, c'est ça. Mais il aime ça aussi, mais ouais, je pense que nous, on aime ça encore plus.
Fait que ça, je sais pas si on va les laisser ou le garder pour ses cadeaux. Mais vraiment cool. Puis sinon, ça, ça va probablement être pour un peu plus tard. Mais il y avait aussi ce livre géant. Ah, je pensais que c'était pour nous, ça. Ah, ben ça peut être pour nous aussi. ce livre de, à colorier géant de Bluey. Voilà. Si dans les trucs plates, on a racheté des éponges pour faire la vaisselle. On aime bien ces éponges-là pour la vaisselle. Puis on avait des roses. Fait que j'ai pris un paquet de roses puis un paquet de bleu. C'était genre 2 pour 5, je pense. Donc c'est la marque Scotch Bright. Oh, chez moi, on va aller digne à détacher. Ah, je vais le faire, c'est bien. Sinon, ils commencent à sortir les trucs de Noël un petit peu partout. Fait que moi, j'aime bien avoir des beaux papiers d'emballage cadeaux. Je me suis laissée tenter par deux que je trouvais bien beaux. Il était 4,98 ce qui est pas tant cher parce que c'est quand même des bons rouleaux puis il y a de l'air quand même assez de qualité. Fait qu'il y en a un, il est comme juste en style papier craft rouge vin. Je le trouvais bien beau. Puis l'autre, c'est aussi style papier craft, mais carotté. Fait que là, ça, à la caméra, ça paraît plus foncé, là, mais c'est des lignes genre verte forêt avec du rouge, du crème. Puis le fond, il est en papier craft. Puis quand on met les deux papiers un à côté de l'autre, ça fait vraiment beau. Je me suis laissée tenter pour ajouter à nos papiers parce que il me semble que l'année passée, on en avait fini pas mal. La dernière chose et non la moindre du Walmart. Je sais pas si vous vous souvenez, vous là, un petit bout, peut-être un mois, max. On avait été au Walmart justement, puis on avait trouvé un petit bingo, un petit toutou bingo de Bluey, là, bingo c'est elle. Mais il y avait juste bingo, il n'y avait pas de Bluey, il n'y avait pas les autres. Fait que là ça nous faisait chier, on avait bien aimé ça avoir Bluey. Là on arrive tout à l'heure. Il y a le giga toutou Bluey, il est moelleux, il est beau. Ah, il est vraiment beau. Ouais. Fait que on était fous comme la merde. Fait qu'on a pris ça. Et là, après ça, on va au Canadian Tire. Puis au Canadian Tire, il y avait le petit. Fait que fait qu'on a pris le petit pour aller avec Bingo. Fait qu'il va avoir Bluey en petit, Bingo en petit. Puis le gros Bluey, mais on va le garder on the side pour une occasion spéciale. Puis ça, c'est la seule chose qu'on a acheté au Canadian Tire. Si ça, quand qui conclut le haul? Et on est rendu lundi matin, puis finalement, hier, on s'est jamais reparlé après le haul Walmart. Et on a eu une super belle journée, ça a vraiment fait du bien. On dirait que je retrouve tranquillement ma motivation. Fait que je suis vraiment contente. Hier, ça a été une journée à la fois genre tellement productive, mais en même temps hyper relax, hyper cosy. Je trouve qu'on a eu un bon équilibre entre comme faire des tâches, préparer, faire de la meal prep, puis profiter, puis juste relaxer en famille. Dans l'après-midi, là, après les commissions, on a beaucoup genre... j'ai collé des collants avec Gégé dans un de ses nouveaux livres. On a joué avec ses jouets, on a lu des livres. Puis en soirée, ben, on a fait du montage puis de la meal prep que je l'ai pas filmé parce qu'il était rendu tard, il faisait noir. Puis c'est moins le fun de filmer, je trouve, quand il fait noir. Mais j'ai fait comme une grosse plaque de légumes au four, des courges, puis du poulet. Fait qu'on a soupé ça. J'en ai fait comme une grosse batch pour qu'il en reste aussi. Fait que je suis vraiment bien contente. Puis là, on dirait que c'est ça. J'ai retrouvé un peu ma motivation. Fait que j'espère que je suis sur le bon chemin. Même qu'hier, on dirait que j'avais full d'inspiration. Puis j'avais full goût de vous faire un vlog une journée cette semaine. Mais ça fait longtemps, tu sais, que j'ai pas fait un vlog dans le jour. Ces temps-ci, on dirait que c'est juste comme la fin de semaine. Puis c'est beaucoup comme des hauls. Fait que c'est ça. On verra si ça se donne plus tard. Je veux pas non plus trop m'énerver cette semaine et puis que après ça je recrache, fait que je vais prendre une journée à la fois, mais déjà là que ma motivation soit revenue, ben c'est bon signe parce que je vais vous avouer que dans les deux dernières semaines, là, j'avais aucune motivation pour rien. Fait que là ça fait du bien d'être un peu comme plus moi-même. Sur ce, je vais vous laisser parce que je pense qu'avec le haul Walmart, ça va quand même être un long vlog. Puis maudit que je suis blême, je reviens d'aller porter Gégé. Puis en finissant, je voulais juste dire à quel point je trouve ça difficile depuis que c'est moi qui fais la routine, comme c'est moi qui vais le porter le matin. Et je trouve ça difficile comme de me préparer, puis de m'habiller, puis de... c'est comme... de, c'est ça, de me trouver t'sais, belle pis pas sloppy. On dirait que genre j'ai pas le temps comme
pour comme, c'est ça, me mettre, on dirait que j'ai comme pas le temps de comme me mettre du linge que j'aime, puis que je suis tout le temps à course, puis que j'ai l'impression d'être tout le temps tout croche, mais bon, c'est la vie. Fait que moi sur ce, je vais vous dire bye, puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!